Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un haul comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, mais cette fois-ci, ça va être un haul différent parce que je fais tout le temps les haul chains. Fait que là, je me suis dit que ça ferait changement d'innover un petit peu puis de faire quelque chose de différent. Fait qu'aujourd'hui, comme vous pouvez voir, ça va être un haul Dollarama! Comme vous pouvez voir, mon sac est assez gros, il est rempli à fond. J'ai hâte de vous montrer ça. Puis pour être honnête, ça fait genre 3 jours que j'ai été acheter ça au Dollarama. Puis je voulais faire ma vidéo, mais j'avais comme pas le temps. Fait que ça a été en stand-by pendant ce temps-là. Fait que je me rappelle même plus ce que j'ai acheté. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. Fait que sans plus tarder, commençons le haul. En premier lieu, je me suis acheté... Je me suis acheté ce... Comment on dit ça? Panier, bol? En tout cas, ce truc-là pour mes petites plantes. Parce que mes plantes sont genre fucking de bébés. J'ai full de bébés à planter. Fait que je me suis acheté ça parce que je me suis dit que ce serait cute de genre mettre tous les petits bébés ici en fil. Fait que tant que ça va pousser, ça va être genre tellement beau. Il y aura des petits bébés qui vont tomber ici. Ça va être genre comme une jardinière tellement magnifique. En tout cas, j'ai tombé sous charme quand j'ai vu ce pot-là. Fait que fallait que je le prenne. Ensuite, comme vous pouvez voir, j'ai acheté des genres de bâtonnets qui allument quand tu craques pour mon petit garçon. Je mets souvent ça dans le bain quand il prend son bain. Puis il adore ça, il trouve ça vraiment cute. Fait que c'est ça, je me suis pris ça pour lui. Ok, la pige de cadeau commence. Ok, en premier lieu, j'ai pigé. Ah oui, j'ai acheté des casse-têtes à mon gars parce qu'il adore ça, faire des casse-têtes. Puis en plus, j'ai trouvé trop mignon de petits dinosaures. C'est ça, j'ai acheté ça. Ensuite, je me suis acheté des mini moules à tartelettes. Parce que du coup, ça va me donner encore plus envie de cuisiner si j'ai déjà tous les matériaux. Ça fait longtemps que je voulais faire des petites tartelettes aux fraises, tu sais. Fraises avec crème pâtissière, crème fouettée, tout le kit là, à quel point c'est bon. Ben c'est ça, je me suis acheté ça pour faire ça. Ensuite de ça, je me suis acheté des sambons parce que je veux que ça sent bon chez nous. J'ai déjà en plus la machine qui fait push-push tout seul, fait que je suis bien contente. Fait que j'ai acheté un sambon Smuggle. Il sent très bon. Ok, souvent, je me suis acheté de la pâte à dents pour mon petit coquino. Parce qu'il a commencé à se brosser les dents, évidemment. Fait que c'est ça. Au melon d'eau, il a l'air super bon. Je pense que je vais le tester moi-même. En tout cas, fait que pâte à dents pour mon gars. Ensuite, des petits pots pour mes plantes. Parce que si ça fonctionne pas, le gros pot, que j'ai pas assez de terre, whatever, ben je vais faire plutôt genre des petits pots de même pour les petites plantes individuelles. Parce que comme je vous dis, j'ai au moins 8, 9, 10 bébés même à planter. Fait que j'ai pas le choix. Fait que je me suis acheté un petit pot de même. Un petit chou. D'habitude, j'utilise pas ça, mais là, pour ceux qui le savent, je m'en vais dans le sud. Fait que j'ai besoin de ça pour le transport, puis que ce soit plus facile pour me laver, whatever. Fait que j'ai acheté beaucoup de choses pour, dans le fond, mon voyage dans le sud. Ensuite, je me suis acheté des petites affaires de même, des gants pour. Dans le fond, j'ai un tableau effacé à bassin que je vais accrocher, puis ça tient jamais, whatever. Fait que quand j'ai vu cela, ça a l'air intéressant, fait que je vais l'essayer. On s'en fait que c'est du Dollarama, fait que ça se peut que c'est vraiment pas quelque chose de fabuleux. Mais bon, je les ai achetés pareil, on va essayer. Je pense que c'était 1,25 la série. J'en ai acheté deux. Et voilà. Ensuite, je me suis acheté des petits verres comme ça pour faire des petites bougies toutes mignonnes. Je me suis dit que ce serait facile à faire, ça prend pas beaucoup de cire. Puis ils sont tout mignons. Chez nous, là, il y a zéro lumière, ok? C'est vraiment pas éclairé, ça me tape sur les nerfs. J'ai tellement hâte d'aller dans une maison simplement juste pour avoir de la lumière et de l'éclairage. Parce que je vous dis, quand il n'y a plus de soleil, là, c'est sombre, mais tellement sombre, surtout dans ma chambre. Fait que c'est la raison pour laquelle je me suis acheté des genres de petites lumières de même, que tu fais juste taper dessus puis ça l'allume. Écoute, j'ai jamais. Je vais essayer pour la première fois, on verra bien ce que ça donne, mais j'en ai pris deux, je pense. Non, j'en ai pris quatre même. Ouais, j'en ai pris quatre. Toutes la même couleur. Fait que je vais toutes les mettre dans ma chambre parce que pour vrai, j'étais cœurée quand je me change et que j'essaie de m'en regarder dans le miroir. Je vois rien. Fait que comment tu veux savoir si t'es chic ou non, tu sais? Ouais, c'est ça. J'en ai acheté 4 pour être sûr. J'ai bien hâte de l'essayer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Puis on s'entend que c'était pas cher. Je pense que c'était 3 ou 4 piastres chaque. J'avoue que j'en ai pris 4, fait que ça revient quand même cher. Mais bon, ça fonctionne vraiment. C'est ça coche, yo. Fait que c'est ça. J'en ai pris 4 de même. Suivant. Je me suis pris des affaires pour coller de même. Pourquoi déjà? Ah oui, pour les lumières. Parce que je savais pas s'il y avait quelque chose qui... Je sais pas si genre ça se colle au mur direct ou s'il faut genre mettre de la colle. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté ça. C'est des petites bandes adhésives pour coller des affaires au mur ou des cordes ou whatever. Fait que j'ai acheté ça pour justement les lumières. Ensuite, je me suis pris une colle adhésive. Bien pratique, puis la mienne était finie. Fait que...
c'est supposé être très bon puis une colle très efficace, fait qu'on verra bien. Fait que c'est ça. Ensuite, je me suis pris un petit toutou pour mon gars. Un genre de squishy, je sais pas trop comment on appelle ça, là, tout mou, tu peux mordiller. Là. Ben, j'ai surtout pris pour ma fille, parce que je me suis dit qu'elle aimerait ça manger les petites pattes, puis la petite langue, les petites oreilles, genre ça a l'air cool pour elle, fait que je l'ai pris, puis aussi il est cute. Hein. En tout cas, j'ai pris ça pour mes enfants. Un deuxième sent bon, lui il est à la lavande. J'aime tellement la lavande. Ça sent tellement la vie. Bon, ensuite, je me suis pris des sacs de poubelle à l'odeur de lavande encore, parce que dans ma salle de bain, en fond, j'ai pas de sac pour ma poubelle, ça me tape ses nerfs. Fait que je pense que je vais mettre genre les deux en même temps, ça va être fou, ça va tellement sentir la lavande, ça va être tellement bon. Ah, 100% tu sais, 100%. Ok, ça c'est pour les vacances que je me suis pris ça, des genres de petites, je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, c'est des genres de petits cure-dents à brosse. Pour vous brosser les dents, d'un coup que t'as une chute pognée entre les dents, là, ben tu pognes ça puis direct t'enlèves ça. C'est comme un petit cure-dent pour les dents, genre. Fait que c'est ça, je me suis pris ça pour les vacances aussi. Ben, après les vacances, je vais les user pareil ici, là, mais c'était plus spécialement pour les vacances. Là. Un deuxième affaire à moule pour tartelettes, que j'avais pas encore manqué. Fait que j'en ai pris deux. Ensuite, ça, c'est pour les vacances aussi, une boîte de 50 mouchoirs, parce que on sait jamais, du coup, que je pogne le rhume là-bas, que j'ai envie de me moucher, que j'ai besoin de me moucher. En plus, c'était tout cute la boîte, genre, check ça, c'est full cute, full bien stylé, genre, j'aime ça. Fait que pour les vacances aussi. Ensuite, oh ça j'ai full hâte de la mettre pour mes enfants. Une genre de lumière qui fait des petites bulles puis qui allume. Tellement cute là, j'ai tellement hâte de l'essayer là, je capote. Même que j'aurais dû en prendre deux, j'en prends une aussi. En tout cas, si je retourne au Dollarama, je m'en prends une c'est sûr parce que ça a l'air tellement super mignon là. Je me suis pris une pote en l'air pour le voyage, toute petite. Super mignon. Ah c'est ça. J'ai tout pris en mini pour le voyage. Pourquoi j'ai plus d'espace dans mon sac pour mes affaires. Ok, je me suis pris genre deux masques pour les pieds. Je savais pas quel prendre, fait que j'ai pris les deux. Parce que j'ai full de cornes dans mes pieds, ils sont secs, 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 puis je m'en vais dans le sud, on s'entend, j'ai des petits pieds cute. Fait que je vais me faire des beaux petits traitements de pieds, j'espère que ça va fonctionner. Ma soeur a essayé, puis elle m'a dit que ça a super bien fonctionné, fait que j'ai bien hâte. Je vais en commencer par un, puis on verra par la suite. Je me suis pris des sambons à la lavande pour mon auto. Et quand je vous dis que j'aime la lavande, je pense que ça paraît, hein. Fait que c'est ça. Ça sent tellement bon, ça a pas de bon sens. Je vous dis, ça a pas de bon sens. Pour ça, je vais mettre le sambon direct dans ma chambre que quand je dors, je sens la lavande. Fait que c'est ça. J'en ai pris un paquet de deux. Fait que c'est vraiment nice. Je pense que je vais mettre les deux en même temps pour être sûr que ça sent bon. Ok, next. Anti-sudorifique pour mon mec. En petit format. Anti-sudorifique pour moi-même. En petit format. Il sent quoi, lui? La fraise. Je vais me prendre marquer quand je l'ai acheté. Ensuite, je me suis pris des petites affaires de même pour quand tu fais de la bouffe et tu mets des chaudrons sur le comptoir mais que t'as peur de plier ton comptoir, ben tu mets ça en dessous. Fait que j'ai trouvé cute. J'en ai déjà un petit peu plus grand. Fait que j'en voulais des petits pour les chaudrons. Et voilà. Bien heureuse. Fait que j'ai pris ça. Ensuite, des petites... comment on appelle ça aussi? Spatules. La raison pour laquelle j'ai pris ces spatules-là, c'est uniquement pour mon pot de sauce aux cerises. Parce que pour ceux qui me connaissent, je suis accro à la sauce aux cerises. Pour moi, la sauce aux cerises égale votre ketchup, tu comprends? Je prends ma sauce aux cerises avec tout. La pizza, des grilled cheese, des frites, du poulet, du riz frit, nomme-les. Je mets de la sauce aux cerises dans tout, man. Je suis avec de la mettre dans ma crème glacée, je vous le dis, je suis avec. En tout cas, fait que là, c'est ça, j'ai acheté ça pour ça parce que vu que le bâton est long et que c'est tout mince, je vais pouvoir aller gratter dans le fond de mon pot pour être sûr de ne pas gaspiller une goutte de sauce aux cerises. C'est très important, mon ami. Fait que quand je les ai vus, j'étais full contente parce qu'à chaque fois qu'il y a des petites spatules de même, là, ben le bout il arrête ici. Fait que là, quand tu mets ta main dans le cou, ben tu penses même pas tellement que ta main est grosse ou tu te salis tout sous les côtés du bord, du rebord, genre, ça gosse. Fait que avec ça, non seulement je me salirai pas, mais en plus je pourrais aller chercher, comme je vous dis, jusque dans le fond ma sauce aux cerises. C'est merveilleux. Fait que je tombe en amour, je suis prête. C'est presque fini, mes amis. Ensuite, je me suis pris un... comment on appelle ça? Rince-bouche, tout minuscule, c'est tellement chou. Fait que c'est ça, pour les vacances. Et le dernier, oui c'est le dernier, des petits post-it de même parce que j'avais fait une autre commande de Dollarama la semaine passée. Puis je me suis acheté des genres de petites bobules pour mettre du savon dedans puis tout. Mais genre je vais les étiqueter pour savoir c'est quoi le shampoing, c'est quoi le revitalisant, whatever. Fait que je me suis pris ça. Puis qu'est-ce qui est cool, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est tous des petits carrés, juste assez gros pour genre ça prenne pas toute la place puis qu'on voit quand même qu'est-ce qui est écrit dessus. Fait que je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça, sérieux.
vraiment contente. Je vais vous montrer justement ce que je vous parle pour le champion de Faisan. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Allô, je fais ça? C'est ça. Ben voyons donc, tabarnak de corée, c'est quoi ça? Je viens de piler sur un fucking œuf. J'en check ça. Tout ça de même, direct. T'accroches ça dans ta douche de vacances. Tu peux mettre tes rasoirs ici, brosse à dents, whatever shit. Puis en plus, ici, d'après, il y a un zipper. Puis il y a même une affaire ici pour accrocher, je sais pas trop quoi. Pourquoi? Puis genre, après, tu peux ouvrir ça ici. Là, j'ai mes brosses à dents que j'ai mis là-dedans, parce que je me suis acheté des trucs pour protéger la brosse à dents pour le voyage. Un blanc puis un noir pour mon copain et moi. Puis j'ai aussi acheté, comme je vous dis, des petites affaires de mer, ça ressemble à des ampoules, c'est tout cute. Genre, tu remplis ça de savon, revitalisant, savon pour le corps, peu importe, shampoing. Genre, je m'en ai pris 4. Puis mon chum aussi, il va en avoir. Puis comme je vous dis, j'ai acheté les étiquettes pour justement les étiqueter pour savoir quel qui est quoi. Fait que je trouve ça vraiment merveilleux que ce sac-là, sérieux, je capote. Et ça accroche. Vraiment, le Dollarama, je m'attendais pas à ça. Il est malade, je l'adore. Vraiment pratique, sérieux, je vais l'utiliser tout ça à chaque fois que je vais en vacances, c'est sûr, c'est vrai. Fait que voilà ce que ça donne, la gang. Je suis vraiment contente. J'ai très hâte de partir dans le sud. Vous voyez sûrement à quel point je suis en train de capoter ma vie. Je fais juste penser à ça. Faut que j'aille dans le sud. Faut que j'aille dans le sud. Faut que j'aille dans le sud. Fait que ceci termine mon petit haul Dollarama, la gang. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Puis j'espère que vous avez aimé que ce soit aussi différent de mes hauls d'habitude. Là, j'ai de l'œuf collé sur le pied. C'est décollissant. Ouais, fait que on se voit super bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée! Tu dis bye bye, Michi? Bye bye! Michi, regarde. Tu dis bye bye? Bye bye! Bye bye! Oui! Je t'aime!